Ce chien est un héros. À 6 ans, Obi a déjà sauvé deux fois le commerce de son maître d'un cambriolage. Le dernier a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à Manosque, dans un bureau de tabac. La première fois, c'était un braquage, donc j'étais là, on était ouvert, c'était un peu avant la fermeture. Et là, donc c'était en pleine nuit. Il y a l'alarme qui m'a appelé sur mon téléphone et on est vite venu en voiture. Et devant le tabac, il y avait un cambrioleur qui faisait le guet. Donc là, Obi est allé, je lui ai dit d'y aller, il est allé très vite. Le premier cambrioleur, il s'est enfui et il a sauté donc au-dessus du portail de la maison d'à côté. Obi, il n'a pas pu le suivre donc, et donc il est revenu vers moi. Et juste au moment où il revient vers moi, un deuxième cambrioleur qui sort du tabac. Et là, donc, il l'a pris en chasse aussi. Le cambrioleur, il a essayé de monter dans une voiture. Il n'a pas réussi, mais il s'est enfui en sautant au-dessus d'un grillage. Avant d'avoir Obi, David avait été victime de 3 cambriolages. Il a donc décidé d'adopter un Malinois et de l'entraîner à la défense. Depuis, ils sont devenus inséparables. Pendant la première année, on a fait de l'entraînement, un peu de dressage et surtout un peu d'entraînement en mordant. On passe notre vie ensemble. Hein. Tout le temps ensemble au magasin, ensemble à la maison, on balade ensemble, on fait tout ensemble. Grâce à l'intervention d'Obi, les malfaiteurs ont pris la fuite sans butin et l'enquête a été confiée à la brigade de sûreté urbaine de Manosque.